Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi cette semaine de vous proposer une superbe recette de charlotte aux fraises. Pour réaliser cette recette, il faut tout d'abord réaliser un bavarois, donc à base de fruits, et vous l'aurez compris, à base de fraises. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, on commence par réaliser notre bavarois. Maintenant, le plus simple, nous allons disposer nos biscuits dans ce que l'on appelle un moule à charlotte. Vous voyez, c'est un moule qui est relativement haut et dans lequel vous allez rajouter vos biscuits que nous allons tremper alors, dans un petit sirop, de l'eau, du sucre que vous pouvez aromatiser, pourquoi pas à la vanille ou bien avec de la liqueur de fraise ou du rhum. Bref, la libre cours à votre imagination. Il suffit tout simplement de tremper un tout petit peu vos biscuits dans votre sirop et de disposer les biscuits dans votre moule à charlotte. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre appareil à bavarois donc dans notre moule dans lequel nous avons disposé nos biscuits. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pourquoi pas, rajouter des morceaux de fraises dans votre appareil à bavarois. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, ça y est les amis, le plus gros du travail est fait. Nous pouvons mettre maintenant notre charlotte aux fraises au frigo pendant au minimum 2 heures de façon à ce que votre sirop collé puisse prendre et permettre aux biscuits donc de coller et aussi de vous permettre de démouler plus facilement, vous l'aurez compris, votre charlotte aux fraises. Donc, vous mettez votre préparation pendant environ 2 heures au réfrigérateur. Après avoir laissé 2 heures au frigo ma charlotte aux fraises, je peux maintenant démouler mon dessert et bien évidemment réaliser la décoration. Et bien voilà, nous venons de réaliser une superbe charlotte aux fraises. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez réaliser l'intégralité de la recette dès le matin ou bien même la veille. Dans ce cas-là, vous pouvez démouler le lendemain matin votre charlotte, réaliser votre décoration, mettre au réfrigérateur et vous n'aurez plus qu'à servir le soir. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité de mes recettes en vidéo ainsi que mes astuces avec notamment celle du bavarois aux fraises, je vous donne rendez-vous sur le site internet de francebleu.fr ou sur la page Facebook. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite de passer un agréable moment autour de cette superbe charlotte aux fraises. Les ingrédients à la fin de la vidéo.